Hello. You know Yokimi? Ah, yes. Gloire à Dieu. Ok. Oui, ma sœur, tu as dit que témoignage, on colle à Salikatinayo. Église des après. Ma sœur, nous voulons écouter le témoignage de ce que le Seigneur a fait. L'Église est prête pour entendre. D'abord, donne-nous ton nom, là où tu vis, et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Ah? Anastasie. Anastasie, maman Anastasie, yebisabiso kola salinin. Maman Anastasie, dis-nous qu'est-ce que le Seigneur a fait? Norvège, précisément la ville à Oslo. Je vis en Norvège, précisément dans la ville d'Oslo. Oslo, Norvège. Ok. Oui. Et nous, quand on a fait la stérilité pendant 12 ans, Je mais sais nous que avons fait Singapour. ce que j'ai, le Seigneur a fait dans ma vie, j'étais dans la stérilité pendant 12 ans et le Seigneur m'a donné deux enfants. Alléluia. Dieu est vivant. Raconte-nous comment le Seigneur t'a donné ces deux enfants. Moi, je me suis marié, j'ai fait 12 ans. J'ai fait des essais d'insémination pendant 5 fois. Quatrième fois. Et à la quatrième fois, j'ai eu une grossesse, mais j'ai eu une fausse couche. C'est alors que j'ai rencontré une sœur qui m'a demandé quel est le problème. Je lui ai raconté que j'ai fait une fausse couche. Après, elle a dit que je suis YouTube, Et puis elle m'a dit, va sur YouTube et tu tapes Tony Silas et tu verras les miracles que Dieu opère sur YouTube. Et je suis entré, j'ai vu tant de miracles, j'ai appelé mon mari au travail, je lui ai raconté. Je lui ai dit que je vais préparer le billet, je vais partir demain. Il m'a dit, attends, je demande un congé au travail pour t'accompagner. Et après, on a préparé le billet, on est venu là-bas, on est venu à 4 fois. La première fois, j'étais venu avec mon mari, c'était le pasteur indien qui était là. Deuxième fois, Nayaki n'a petite sœur qui est dans la balle. Et la deuxième fois, j'étais venu avec ma petite sœur. Oui, maman. Et puis ça, parce que ce qui est né, Maman, raconte-nous directement qu'est-ce que le Seigneur a fait pour que tu arrives directement à la bénédiction. À la quatrième fois. Et à la quatrième fois. Nazaki, il faut la séance d'insémination. Nazongi Kuna. J'avais encore une séance d'insémination. J'étais venu là-bas et puis je suis rentré. J'ai passé encore la séance d'insémination. Et après, j'ai passé le contrôle, on m'a dit qu'il n'y avait rien. Et j'étais allé chez le gynécologue qui m'a dit, maman, je suis désolé, dans 2 jours, tu vas avoir tes règles. Et après 2 jours, on a nagué qui règle nanga normal, on a vendu, on a tiré quatre. Et après 2 jours, j'ai eu mes règles normales, j'ai pas trop fait attention. Après quelques semaines, petite sœur nanga a benga. Après quelques semaines, ma petite sœur m'a appelé. Aye singa lobi, yo tali déjà na YouTube. Elle m'a dit, tu as déjà suivi les vidéos sur YouTube. Nana lobi na été natalité. Moi, je lui ai dit non. Alors, si ça maman moko kuna akogota ba triplé. Elle a dit. Ma révélation qui est. Elle a dit qu'il y a une maman qui vient de mettre au monde des triplés et qui a reçu une révélation. Ah, elle était enceinte des triplés. En disant. En disant que toute femme qui désire avoir un enfant, si elle sème 1 000 euros pour la construction du temple, cette femme verra la main de Dieu. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas encore vu elle. Elle a dit, elle a suivi ça vers 2 heures du matin. Elle a semé 200 euros parce qu'elle n'avait pas assez d'argent sur son compte.
Moi, je lui ai dit, moi non plus, je n'ai pas encore d'argent, on n'a pas encore reçu nos salaires. Elle m'a dit, le salaire est déjà passé sur ton compte, vérifie. J'ai vérifié sur ma tablette, j'ai vu qu'il y avait déjà l'argent sur le compte. Et après, je lui ai dit, ça va, je vais envoyer l'argent, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et après, je l'ai appelé, je lui ai demandé ce que tu es. Elle m'a dit, je conduis, je vais au travail. Je lui ai dit, reviens, viens m'aider pour envoyer l'argent. Elle est venue, elle m'a aidé pour faire le virement. Au lieu, et ce qui était étonnant, bien aimé, au lieu d'envoyer 1000 euros qu'on avait demandé, moi j'ai envoyé plutôt 2000 euros. Alors que je gagne 2300 chaque fin du mois. Alors que mon salaire chaque fin du mois c'est 2300 euros. Et il me restait que 300 euros. Mon mari était là, il ne m'a même pas demandé qu'est-ce qu'on va faire avec les factures. Et j'ai fait le virement et je suis resté calme. Et j'ai oublié, je suis resté calme. Après quelques mois, et après, quelques mois, je rangeais ma garde-robe, j'ai vu des bandes hygiéniques, j'ai dit, mais ça tient, ça fait quelques mois que je ne les ai plus utilisées. J'ai appelé ma petite sœur et m'a dit, cours rapidement chez le gynécologue pour qu'on puisse te consulter. Et je l'ai appelé et il m'a dit, viens rapidement, viens rapidement. Arrivé là-bas, et il a dit quelque chose d'étonnant. Tu es enceinte et enceinte Alléluia! De deux enfants. Dieu est vivant. Ma passe. Des jumeaux. Ma passe. Des jumeaux. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Va, maman. Raconte, maman. Et après, il m'a dit, mais c'est incroyable, je n'arrive pas à comprendre cela, je vais appeler mon collègue. Et son collègue a dit, mais c'est confirmé, mais on ne sait pas s'il y a un enfant ou deux enfants parce qu'elle est venue en retard de trois mois. Donc d'urgence, elle doit aller à l'hôpital. On m'a envoyé aux urgences et le médecin dit, parce que tu es venu en retard, on te met sur la liste. Et on m'a dit que chaque semaine tu viendras pour un contrôle. Et chaque semaine j'ai commencé ces séances de contrôle. Il y avait des combats, attends, des cauchemars. Même si on t'a combattu, mais tu as déjà mis au monde. Amen. Tu as déjà vaincu. J'ai même eu un rêve dans lequel on m'a dit, chante ce chant parce que toi tu es un vainqueur. Alléluia. Amen. J'ai un Amen. Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Wow. Et après, le médecin a dit qu'il y a beaucoup de liquide dans ton ventre. Je ne sais pas si tu vas mettre au monde, mais c'est comme si tu auras un avortement. Avortement, Zaté. Il n'y a pas d'avortement puisque tu as déjà mis au monde. Dis-moi, quels sont les sexes des enfants? C'est des filles. Et les garçons aussi arrivent. Oui, merci. Amen, amen.
Yo, il faut botter bango double parce qu'on peut ça qui double par exemple. Il faut avoir double, double. Toi, tu dois avoir double, double parce que tu as donné double à Dieu. Si va bien, le coup, je suis passé. Retiens bien ces paroles, puisque tu as reçu les filles, des garçons aussi arrivent. Tu es béni, maman. Au Pambolami. Continuez à soutenir Moussa. Continue à soutenir cette œuvre. Merci beaucoup. Mm. Alléluia. Et maintenant, au moment de l'accouchement, avant le dernier jour, le médecin a vu qu'il n'y avait plus ce liquide là. Ça ne pourrait plus se retrouver. Il était étonné. Il était étonné. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais je ne sais pas, c'est toi le médecin à qui je dois demander. Et il a dit, mais c'est aujourd'hui qu'on devait enlever tout ce liquide là. Alors, malgré ça, bana bazo na je na libumu na yo to ti on a ka ya risque. Na tengiyo déjà rendez-vous na appartement ya Salien. Et il m'a dit, malgré ça, tu es quand même sur la liste des personnes à risque. Risque zate, soboti. Tu dois passer par la césarienne parce que les enfants se retournent intensement. Césarienne ou césariataire, nous et moi n'a pas ça abouti. Césarienne ou pas, les enfants sont déjà nés. Amen. Amen. Après l'hôpital, et au moment de l'accouchement, je suis arrivé et ils voulaient provoquer l'accouchement et au même moment les enfants sont sortis d'eux-mêmes. Alléluia! Dieu est vivant. Anastasie, oui, quand est-ce que tu les as mis au monde? Le 19 décembre. Le 19 décembre. Oui, mais normalement, il faudrait que tu aies le 6 janvier. Normalement, il devait naître le 6 janvier. Mais par moment, bah, il y a le 19. Mais ce jour-là, comme ils voulaient provoquer les enfants, ont décidé de sortir d'eux-mêmes. Maman Anastasie. Maman Anastasie. Anastasie. Oui, papa. Zamba Pambolayo. Que Dieu te bénisse. Nakobengayo. Nakobengayo, leto samayangani po. Sikoto leto zoga témoignage. À la fin du culte, je vais t'appeler parce que maintenant nous voulions seulement écouter le témoignage. Bana pesa biso makombo abana. Donne-nous les noms des enfants. Bako. Allô? Bakombo abana. Quels sont les noms des enfants? Emmanuela. La première c'est Emmanuela. Oui. Yami Balé. Daniela. Le deuxième c'est Daniela. Maman Angaye. Emmanuela et Daniela. Tikanzambe Angaye a Simba Bana Oyo. Que mon Dieu puisse toucher ses enfants. Bazaba signe à temps. Ils sont des signes Amen. Du temps. Bazaba accomplissement ya parole ya Nzambe. Ils sont l'accomplissement Amen. De la parole. Baza la révélation de l'Éternel. Et ils sont la révélation Amen. De l'Éternel. Alors to pambulio papa pe bana. Alors nous te bénissons Amen. Toi le papa et les et enfants. Benaza la confiance oya mi bali bakoya pe ba bali mbala moko. Et j'ai confiance aussi Amen. Que les garçons viendront aussi les deux. Au nom de Jésus, je te bénis. Amen. Amen. Acclamons très 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 fort pour le Seigneur. Est-ce que cela a pu transmettre un message à quelqu'un? Maman a triplé. Maman de triplé vient. Parce que tant on t'a pas utilisé que yo. Parce que lorsque Dieu t'avait utilisé. Lorsque tu l'avais annoncé, plusieurs n'avaient pas cru. Les gens avaient pensé qu'on s'était concerté afin de soutirer de l'argent aux gens. Tu sais,
Plusieurs personnes disent, mais est-ce que Dieu, avant de bénir quelqu'un, il doit d'abord donner 1000 euros? Je savais que plusieurs allaient te critiquer, allaient aussi me critiquer. Maintenant, Dieu commence à nous consoler et à nous démontrer sa grandeur. Il a agi au travers de la foi. Au lieu de 1000, elle a donné 2000. Et Dieu lui a aussi démontré, reçoit aussi deux enfants. Maintenant, disons la vérité, est-ce qu'elle a menti ou pas? Parce que lorsqu'elle avait dit que c'était Dieu qui lui avait parlé, plusieurs n'avaient pas cru. La maman a dit qu'elle a fait quatre fois des essais d'insémination. Ça n'a pas marché. Elle est venue ici, on a prié quatre fois, ça n'a pas marché. Mais lorsqu'elle a obéi à la révélation que Dieu t'avait donnée, voici le miracle qui vient de s'opérer. Mon peuple périt par manque de connaissance. Que le Seigneur te bénisse. Le 19. Dans les triplés aussi était né les 19. Maman Nangaye. Oh mon Dieu. Maman Nangaye. Mon Dieu. Lelo. Aujourd'hui. Les bumbuana et kopamba. Ce ventre-là sera béni. Allô. Allô. Oui, allô. Allô. C'est Maman Véronne. Oui, papa. Et papa Tony. Maman Mapasa. La maman des jumeaux. Hey, maman Véron, yebiso biso. Hey, ni Nicolas sali katina yo. Maman Véron, dis-nous qu'est-ce que le Seigneur a fait Oza pour wapi. Toi? Où est-ce que tu es? Et alors on ne salami pas na yo. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pesa biso pasi ofandi makam nyoso. Et dis-nous où est-ce que tu vis et raconte-nous tout le témoignage. Papa, Dieu est bon. Dieu n'a pas changé. Dieu a changé mon identité. Je suis devenue la maman des jumeaux. Moi, je suis sœur Véronne. Je vis à Paris. Donc, la panique que nous avons adhéré à Maintenant, il y a quelqu'un qui faisait les démarches pour mes papiers qui m'a amené à ADV. Et alors que je venais de passer à l'OFRA le 9 juin 2015, je suis venu à ADV en 2015, en juin. Quand je suis arrivé à ADV, c'était dans l'idée de recevoir mes papiers. Mais Dieu m'a surpris, ce n'était plus les papiers, c'était les enfants. Et quand j'ai commencé à prier à ADV, j'avais un problème pour concevoir. Je n'arrivais pas à concevoir. J'ai dit, bon, je vais consulter les médecins pour voir qu'est-ce qui complique dans mon ventre. Quand je suis allé consulter le médecin, la première des choses, il commençait par faire la radio de Bakou. Et le médecin dit, la première des choses, il faut commencer à faire la radio. Quand j'ai fait la radio du bassin, et le médecin m'a dit, madame, vous n'avez qu'une seule trompe. Et moi j'ai demandé, mais où est partie l'autre trompe? Il m'a demandé, est-ce que tu n'as pas subi une opération ou quelque chose s'est passé? Moi j'ai dit non, je n'ai jamais subi d'opération dans ma vie et rien de mal ne s'est passé dans ma vie.
Mais alors, comment ça se fait que non, il ne manque pas de Et il a dit, mais comment ça se fait que tu n'as qu'une seule trompe, où est partie l'autre? Et moi j'ai dit, je ne sais pas, c'est toi qui dois m'expliquer. Et il m'a dit, depuis qu'il est dans ce métier, il n'a jamais vu pareille chose. Et ça m'avait dérangé, même mon mari, je ne lui ai pas raconté. Et je ne lui ai pas raconté, c'est resté dans mon cœur entre moi et Dieu. Je priais toujours continuellement à Dieu. Alors un jour, on était à l'église. J'ai dit, bon, je vais faire un travail à l'église pour servir Dieu. J'ai commencé à encadrer les enfants à l'Ekodim. Alors c'était un jour dans Papa était un jour en train de bénir des enfants à l'église. Après, deux enfants qui étaient nés. Et il a déclaré que je veux qu'une femme puisse mettre au monde des jumeaux. Et directement, j'ai vu maman qui est venue vers moi et a touché mon ventre et a prié pour moi. Et directement, je me suis dit, alors, ça veut dire que ce qui me dérangeait dans mon ventre m'a quitté maintenant. Et à la fin du culte, maman m'a dit, ah, et il y a une maman qui est venue me voir à la fin, me dire, mais je vois que cette parole que papa vient de déclarer, je crois que c'est pour toi. Et j'ai dit amen, maman. Et les gars qui ont monté, et à pas plus d'un mois après, j'ai conçu. Wow. Alléluia. Et lorsque j'ai conçu, je suis allé consulter les médecins pour passer des examens. Ils ont fait la prise de sang. Et lorsque j'ai eu les résultats, il a dit, madame, mais ils sont à deux. Moi, j'ai dit, oui, gloire à Dieu. Donc Dieu a exaucé notre prière. Voilà pourquoi j'ai dit que toute ma vie je témoignerai la gloire de Dieu. Parce qu'il est fidèle. Il est merveilleux. Père Azama Lamu. Il est plein de larmes. Il a changé mon identité. Père Bongoli identité Nangai. Voilà pourquoi je suis la maman de jumeaux aujourd'hui. Alléluia. Maman Véron. Papa. Maman Véron, dis-nous quels sont les sexes de ces enfants. Ce sont des jumeaux. Ce sont des garçons, deux garçons. My God. Mon Dieu. Ce sont deux garçons. Le poids des jumeaux a étonné même tout le personnel médical. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu des jumeaux avec un tel poids. À la naissance, ils pesaient combien? Le premier, c'est 3,8 kg. 3,8 kg. Oula. Jumeaux. Eh ben. Oui, ami Balé. Et deuxième? Oui, ami Balé, 2,845 kg. 2,845 kg. Oh my God. Ma jumeau, ça c'est vraiment des vrais jumeaux, ça. Alléluia. Dieu est vivant. Maman Véron. Maman Véron. Osa Elika pensa que nous sommes tous liés. Tu as vraiment la foi que c'est Dieu qui a fait cela? Oui. Papa n'a qu'une. Et les gens disent que souvent la grossesse des jumeaux ça arrive jusqu'aux 6 mois ou quoi, mais moi je suis allé jusqu'à terme. Hé, hey, maman Véron. Dala, continue au sein de l'encolo. Continue à servir le Seigneur.
C'est à toi que j'avais déclaré cette parole. Il y avait deux mamans qui avaient amené deux enfants et j'ai déclaré qu'une femme puisse avoir des jumeaux. L'église à Paris, hein? C'était à l'église de Paris. Oh, tu es béni. Au Pambolami. Tu es béni. Au Pambolami. Bama passe wana. Bama passe wana témoignage la bango ezo 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 fongola deuxième et libumwa masi moko awa ko m'appelle sur na zéro. Ces jumeaux là, le témoignage est en train de débloquer le ventre d'une femme qu'elle soit aussi enceinte ici. Avant yo témoigner awa musu soit témoigner na Norvège Jésus. Avant que tu ne témoignes, il y a aussi une femme qui vient de témoigner de Norvège qui a aussi reçu la grâce d'avoir des jumeaux. Nous avons prophétisé pour elle parce que comme elle a eu des jumeaux, des jumelles, elle va avoir maintenant des jumeaux, deux garçons, et vous allez faire l'inverse. Toi, comme tu as des jumeaux, maintenant tu vas avoir des jumelles, deux filles aussi en même temps. Mama Véro. Jamb apambola yo mama Véron. Apambola mobile yo, apambola bana. Pesanga okombo bana. Que Dieu te bénisse mama Véron, toi les enfants et ton mari. Quel est le nom des enfants? Oreg boto kumule Kenan, ya mibale Dylan. Yo kasikoyo. Maintenant écoute. Jambe le boko na yo zamu kusete tata. Seigneur, ta main n'est pas courte, père. Qu'elle touche ces deux enfants et qu'ils soient bénis. Et la maman peine à papa. Ainsi que la maman et le papa. Parce que nous avons confiance à l'ipamboli, na malobo check na munokonanga. Parce que j'ai confiance aux paroles que tu as mises dans ma bouche. Alors que Seigneur, tu les as accompagnés, tu les as réalisés. Que cette famille soit bénie. Que ces enfants soient bénis. Et qu'ils soient une source de bénédiction. Et qu'ils attirent encore d'autres jumelles qui vont arriver. Et qui se multiplient dans plusieurs maisons des personnes qui nous suivent. Qui touchent un ventre en cet endroit. Que la gloire, ta gloire pénètre là-bas. Bénis Maman Véron et bénis toute sa famille. Merci, tata. Et nous te rendons grâce, Père. Que le conteneur des jumeaux et des triplés puisse se répandre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse, Maman Véron. Nous t'appellerons à la fin du culte et nous allons nous entretenir. Amen. Amen. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter, car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement, afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail, à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant. Comment t'aimer? Tu es l'amour.